Pour les ciels étoilés. En fait, là, on a un ciel étoilé qui est fou. Ah, la gamine. Pour les vies et tout. La chevelure. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés. J'espère que vous allez bien, que toi bien pour vous et que votre mifa se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, je suis accompagné de plusieurs personnes derrière la caméra, mais Sarah. Coucou. Et Younes. Salam tout le monde. Aujourd'hui, je vais ouvrir un carton de Flamingo Box. J'ai plusieurs colis qui ont été soit perdus ou soit disparus, que les gens n'ont pas récupéré. Bien sûr, je vous rassure, ces gens ont été remboursés, hein, d'accord. Et Flamingo Box, pour éviter tout ce qui est pollution, que la France ait à détruire des colis et tout, ils récupèrent des colis qui ont été abandonnés ou perdus. Et tout simplement, ils les revendent dans des cartons. Et c'est vraiment une dinguerie. Parce que je vous jure que des fois, avec deux articles, alors qu'il y a une dizaine, voire une quinzaine d'articles à l'intérieur, avec deux articles, des fois, vous remboursez votre carton direct. Dans les cartons, où vous savez jamais ce qu'il y a. Par des maillots de foot, des paires de Nike, des Jordan, il peut avoir des trucs de ouf dans les cartons. Comme il peut avoir des trucs moyennement ouf, comme il peut avoir des trucs un petit peu gadget. C'est toi et ta chance en fait. Voilà, c'est toi et ta chance. En fait, c'est un sorte de pack opening, mais de carton, d'accord. Sarah, elle voulait à tout prix faire. Ouais. D'accord. Pour voler les colis. Donc déjà, tu vas nous donner le premier. Je choisis. Oh, il y a une boîte. Ok. Vas-y. Hello. C'est un iPhone. Une tondeuse. Oh non, c'est pas une tondeuse. C'est pour... Il y a une tondeuse. Il y a une tondeuse, d'accord. Ok. Il y a une tondeuse. Et il y a également aussi... ça, c'est pour faire vraiment, tu sais, à blanc. Ouais, aussi. C'est pour vraiment faire un truc à blanc. Donc on va faire, il utilise un truc comme ça. Carré de Michel, t'as raison. Je crois que là, ça va faire une vidéo boule à Z, là. Oui. Ça va faire une vidéo boule à Z. Oh. Un petit écran LED ici pour la... Petit écran LED et tout. Assez propre. 64% et... Hey, vraiment. J'aime bien. Voilà que c'est stylé. J'aime bien. Viens, on essaye. Non. Il a peur. Ouais. Premier article, déjà, c'est pas mal. Intéressant. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a plusieurs cartons, d'accord. Alors. Ouais, ça. Wesh. Installation, instruction. C'est un truc pour le four. Tu sais lire l'anglais? Ouais, attends, je vais voir. C'est carrément une sorte de montre. Installation, instruction. Qu'il faut installer. Je crois que c'est un minuteur. C'est sympa. Colis suivant. On est honnête ici. Oh, j'aime bien. Oh, j'aime bien les LED. Oh, mon cas, les LED, j'aime. Oh, panneau solaire. Double panneau solaire. C'est quoi? C'est pour faire l'effet solaire. Oh, LED, là. Oh, ça c'est cool. Ah, c'est une lumière. C'est une lumière à l'énergie solaire. À l'énergie solaire et en fait avec détecteur de mouvement en plus. Oh, j'aime bien. C'est lourd de ouf. Oh, j'aime bien, je vais la mettre dehors. Direct. Ouais, devant là. Oh, j'aime bien ça. Genre, on peut même sélectionner le mode souhaité. Genre, détecteur de mouvement et tout quoi. Plus il y a de soleil, plus de lumière peut durer longtemps. Oh lolo, elle éclaire super bien par contre. Ouais, par contre, c'est une dinguerie. Wow, my god. Oh, allez, oh, voilà. Attends, j'aime bien. Même les keufs, ils ont pas ça, frère. J'aime bien. En plus, regarde, vraiment, le truc du panneau, vraiment, regardez. On a un long fil pour pouvoir l'installer où on veut. Ça veut dire que je vais installer ça quelque part dehors, là où il n'y a pas trop de lumière chez moi. Et je vais mettre ça face au soleil, je vais le fixer. Il y a ce qu'il faut pour pouvoir fixer. Il y a des fixations. Ah, voilà, il y a les modes avec la télécommande. Ouais. Ah oui, bien sûr. Ah ouais, ça fait vraiment mal aux yeux, là. C'est une magie. Wesh. Bon, nickel. Eh, j'aime bien ça. Ça, c'est incroyable. Ça, j'aime bien. C'est un petit gadget sympa. Alors. Oh là là! Tu vas plutôt? C'est cool. Pas une mauvaise idée. Ah, un truc pour la maison? Ça fait cool. Ils ont aplati mon colis. Là, ils veulent pas respecter. C'est, ouais? C'est un trappe-mouche, je crois. Hein? J'aurais trouvé ça dans la bouche. C'est quoi ça? Ah, mais je sais! C'est une prison pour Shems! Attendez, la famille Shems, je vais voir du coup, ouais, ici. C'est une prison pour Shems, la famille! Putain de merde! Attends, mais c'est quoi? Pire, peut-être c'est une cage piège d'un homme. Eh bah écoutez, je sais absolument pas à quoi sert ce produit, donc dites-le moi dans les commentaires. En plus, ils ont pas respecté, ils ont aplati mon colis. Ah, ils ont pas mis de manuel, ils ont rien mis. Je pense que Flamingo Box, là, ils vont nous créer une surprise. Non, en même eux, ils savent pas ce qu'il y a dedans. Donc, personne ne sait ce qu'il y a dedans. C'est un caleçon. Des calebas. Ouais. On a toujours besoin de caleçon. Ah, mais c'est une brassière pour femme. Ah, c'est... ah pardon, bah, attends, je savais pas, je suis pas une meuf. Ah, ouais, je croyais que c'était un string pour homme, carrément. Oh, et c'est là, non. et c'est là. C'est pour le sport. Et c'est là pour les abonnés, ouais. Wesh. On va voir si les bras, ça, si les bras ils rentrent dans ça ou pas. T'es sûr que c'est de ce côté-là, là, allez, go. C'est un gilet pare-balles, ou là. Blah. Je suis trop stock, hein. Par contre, la femme qui va mettre ses nichons dedans. En fait, c'est serré. Elle faisait nappe. Magnifique comme ça, ça. Trop bon que ça. En fait, elles ont de la chance, les femmes. Tu te sens un peu musclé comme ça. Mais ouais, c'est une truc, c'est pour le sport. C'est quoi ça? C'est des clochettes pour Noël. Là, il est pas bloqué. Ok, non, mais je tiens à parler d'un truc. Oh, on a perdu une pièce. Il y a vraiment des gens qui achètent des trucs bizarres en France. Voilà. Oui. Flamingo oui. Box, heureusement que vous avez ce concept pour aider. Hein, voilà. Parce que vraiment, il y a vraiment des gens qui achètent vraiment des trucs bizarres en France. Colis suivant. Tu parles de ma gueule, toi. Non, on va pas. Colis suivant. Ah. Mais tu crois que j'ai un troupeau de vaches ou quoi? Oh,
Oh, oh, oh, une PlayStation. Une paire de Nike. C'est des fournitures. Attends, y'a vraiment aucune dinguerie, c'est juste un putain grand matelas. Ouais, ouais, y'a un homme et une femme qui font un truc bizarre à chaque fois. Oh, ils sont en train de te faire comprendre que ce matelas très bizarre. Tu peux t'en servir. Ce matelas, tu peux t'en servir pour plein de choses, y'a plein de formes différentes. Plusieurs loisirs et activités sportives. Ouais, c'est vrai qu'on peut mettre. Bah, je peux pour faire. Pour les chiens. Pour les chiens. Il est facilement pliable. Je leur mets un petit plaid, ça a l'air d'être solide par contre. Ouais, vraiment un colis encore. Tu peux l'ouvrir moi. Ah ouais, c'est un gros colis, je peux l'ouvrir moi. Flamingo Box. Flamingo Box. On vous aime, vous êtes des bons. Vas-y, ouvre-moi ça là. Tu vas passer un petit coup après. Bah, je sais. Ah, attends, 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 t'es dangereuse toi. Planté dedans, frère. Ça a commencé à être très long là. Très, 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 très long là. C'est quoi ce... Ah, ça a l'air beau par contre. C'est archi protégé, il y a du scotch. Mais c'est normal, tu m'as dit ça se casse. Cadeau, ça c'est pour toi. Non, merci. Je refuse. Je refuse le cadeau. C'est bien. Ah, j'ai. C'est quoi hein? Ouais, par contre, vraiment, je kiffe. Le concept, c'est que on sait jamais ce qu'on va trouver. Ah! C'est un truc de bécane! Le par-vent. Vous voulez mettre ça sur la table en déco? Bah écoutez, je vais mettre ça à vendre. Hein. Par-vent de T-Max à vendre. Voilà. Y'a tout. Nickel, parfait. Ah, je rigole. Eh, par contre, c'est sympa. En plus, ça va, hein. Ouais. Ça se met au niveau du buste, en fait. Celui-ci, je crois que le poil est de table là. Des vêtements, c'est des colis Shein. Taille XL. Sarah, quoi? Non, mais Sarah, elle va être contente là. Ah, ah, mais il est beau ce pantalon. Mais voilà, oui, il est magnifique par contre. Non, il est trop beau. Ah! Ça fait une petite chemise sympa. Tu peux être bah, essaye là. Voilà. Non, je rigole, allez, c'est bon. Bon, bah, j'ai le deuxième pantalon. Bon, du coup, on a les deux pantalons comme ça dedans. Incroyable. Ça passe pour homme ça. J'avoue. Avec des belles débardeurs. Oh, j'aime bien. Chouf débardeur. Ah, ouais, non, j'aime moins. Non, la coupe, ça fait très femme en fait. Il est beau, mais il pourrait faire homme. Mais la coupe, ça fait très femme. Là, c'est du quadruple 1000 XL là. La personne qui a commandé, c'est vraiment une grosse. C'est une personne qui mange bien à la cantine. Mais on dirait que c'est bon là, c'est plus la cantine. Il y a une double commande derrière. Regarde celle-là, elle est pas trop forte. Quoi que, faut tirer après. Ouais. Regarde ce qui passe dedans, mon couille. Par contre, c'est dedans, c'est sympa. Ouais, j'aime bien. Ah, ça a l'air de passer bien. C'est quoi, c'est une chemise? Non, je crois que c'est un blazer. Trop belle, je vais te mettre blanc. Merci Flamingo d'avoir envoyé ça pour moi. Ouais, là, c'est que pour elle maintenant. Et reste le colis. J'ai envie de rouvrir un autre carton. Voilà, j'ai le cœur. Attendez, je regarde si j'ai encore pardon. Non, y'a pas de pardon. Il est beau. Mais d'ailleurs qu'il est beau lui aussi. Ah non, là, non, tu fais un rail, là. Je vous demande la famille, 2500 pouces bleus direct, on enchaîne. Je vous sors la suite. Je voulais vraiment trouver des trucs pour mon mot dedans. La ceinture, si tu veux, je suis parfait. La ceinture, il en aura besoin, mais pas pour l'utiliser. Et qu'il va se faire fouetter par la ceinture. Bon la famille, on va se retrouver très bientôt pour le deuxième colis. Là, je vous jure que ça me démange de l'ouvrir en fait. Parce que j'ai encore deux colis. Hein. T'as encore deux colis? Ouais, j'ai encore deux colis. Un que j'ai pas ouvert parce que c'est pour eux. Donc la famille, je vous mets le site de Flamingo Box juste en description. Allez vous faire plaisir. Je vous mets tout en description la famille. Et n'oubliez pas un truc. Vous avez des trucs qui peuvent vraiment pas être ouf. Comme vous pouvez avoir des dingueries de malade mental. Allez voir des vidéos de youtubeurs qui ont eu beaucoup plus de chance que moi dans des packs. Ça a tapé des chaussures Nike avec des maillots des maillots un peu plus anciens de CR7, les nouveaux de CR7, et là ils ont eu vraiment des trucs de ouf. Bref, et un maillot aujourd'hui ça coûte 70 balles, c'est voire vrai. 90 balles. C'est vrai. Donc avec un maillot et une paire de Nike comme l'autre il a chopé, vous êtes déjà plus que rentable dans votre carton et il vous reste encore des objets. Bref, je vous mets les liens en description, prenez soin de vous et de la Mifa, et j'espère que dans le prochain colis il y aura un truc ou deux pour Momo, hein, pour son setup, parce que comme vous le savez on doit organiser un setup pour Momo. En tout cas, prenez soin de vous et de la Mifa, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Ciao.